Donc salut tout le monde, c'est Vinkoka. Aujourd'hui on se retrouve dans le 25ème PoE Game accompagné de Darkwizer. Salut. Spaghetti Lee. Et tout le monde. Et Flamme 95. Salut. C'est la joie de vivre. Tu m'étonnes. Salut. Tu es moi. Et donc aujourd'hui on va tout de suite entamer avec Jardin Soup-tem... Jardin du temple, quoi, en français. Ok, bah c'est bien. On démarre tout de suite. Ah non, bah non. Oh merde! Qu'est-ce qu'il y a? On démarre. Non, rien. Je suis en vie. Alors, comment allez-vous depuis la dernière fois, les amis? Très mal. Eh, hey, Mathieu, t'es habillé. Là, le fils de pire. Ah, l'enculé. J'avais complètement. Ça fait ça. Ah oui, et vous avez dit, je suis level 60. Ah, ma gueule. Ouais, je suis level 60, hein, qu'est-ce que tu vas faire? Oh là là, le cul. Oh, oh le cul. Eh, sans le faire exprès, j'ai eu un coup de chatte de merde. Oh, t'avais vu, je suis level 60. Ah, au fait, dans la dernière vidéo, le 24, j'ai réussi à censurer ce que. Enfin, à couper ce que tu disais à la fin. Du coup, tu sais, quand tu dis ouais, venez voir ma chaîne et que je fais non, bah j'ai réussi à couper, on n'entend plus rien derrière. C'est un je sais. Ah bon? Ouais. Putain, mais barre-toi le mec! Mais c'est moi, ma plante! N'empêche, ça doit être inséré. J'étais en train d'y repenser. J'étais en train d'y repenser, mais ça doit être vachement intéressant pour les gens qui regardent de me voir. Putain, attends, j'ai plus de batterie. Comme j'aime bien cette épée, je vais la mettre. Même si elle est moins puissante, elle a plus de skill. On s'en bat le steak. Ouais, c'est attends. Ça. Je trouve que ça doit être vachement intéressant pour le mec qui regarde les vidéos de me voir ramasser juste toutes les pièces, quoi. Des épisodes entiers à ramasser des pièces. Comme les jouets. Dans ce donjon, je vais rien branler. Les skill, hein, qu'est-ce que tu vas faire? En deux biatchs. Bravo. Et t'es fier. Gueule. Plus que Spag quand il fait son truc. Ouais. Oh, vol du Félix. Putain, l'enculé. Il fait rien que dire. Mais y a pas de fierté pour ça. J'ai pas de fierté pour Mathieu. C'est un sort de niveau merde. Oh, t'es level 41. Ouais, tu es level 41. Oh, lui, je lui pète en deux coups. Genre le mec qui se la pète 50 coups plus tard. Putain, il fait chier ce mec. Voilà, il est mort. Ouais, mais pas grâce à toi. Oui, quand même. Et grâce à Flamme aussi. Ouais, en majeure partie, je pense. Moi. La 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 la. Attends, déjà. Bon, ok, les gens, on va attaquer un petit peu pour voir ce que ça donne sur une vidéo. Ok, c'était une attaque complètement merdique. Quelqu'un peut m'aider? Ouais, c'est bien ou bien? Ma gueule! Je crois qu'elle allait me faire un mob tout seul, mais bon. Moi, le mob s'en fout. Ah, mais c'est pour donner l'impression que je suis fort quand même. Oh, trop fort, je l'ai buté tout seul! Je suis le premier à avoir tué. Ah non, merde. Non, pas du tout, c'est moi. Ta gueule! Il a changé de visage, le bâtard! Ouais, mais il a pas été assez vivant pour se rendre compte qu'il était moche. C'est vivant. Ouais. Oh, il y a des tentacules. Oui. Ne surtout pas être en dessous. Sinon, t'es esclave. Quoi? Rien. Je suis MVP. C'est bientôt fini? Fini quoi? C'est qui nous mange un paquet de chips juste à côté de son micro? Ah, c'est Kaïs. Non mais on n'a pas dit mange ton micro. On a dit un paquet de chips, pas un micro. Bordel. Donc alors, on va terminer cette quête. Salut. Salut. Ah, ce sont les échantillons des plantes contaminées. Si c'est aussi grave que cela signifie, tout le jardin est imprégné d'énergie démoniaque. Nous trouverons probablement la cause de cette contamination dans les environs. Fiche de pute. On fait quoi? Bah on fait un PoE game à vrai dire. Ok. Le mec il se tape la cruste au milieu d'un truc. Salut les mecs, je me tape la cruste. Et non, donc... Tu veux là, tu ouais il est con.
Ouais, on est en train de le faire à 4 là. Ok, bon, je vous laisse. Non, mais tu peux rester pour parler, hein, au moins ça sera sympa. Ok. Ok. Et donc on recommence. T'as téléchargé le sword? Ouais, je suis level 60, bam. Mais tu me l'avais, je le savais, tu me l'avais dit. Ouais. Non, ouais, il était encore 59. Il te l'avait dit quand il était encore 59. Ah bah oui, mais il, c'est comme il a tendance à mentir en fait. Ouais, c'est comme si je te disais, ouais, je suis niveau 70. Quand j'aurais passé le niveau 67, 68, 69. Non, putain d'enculé de merde. T'es level 59 à 80%, donc tu vois. Mathieu, t'es chiant. Ouais. Oh oui, ça y est, je me casse la gueule. Non. Bobby, non. Qu'est-ce que tu fais? Fils de pull, je vais t'apprendre. Tu vas payer pour avoir mangé des crêpes. Il est tombé dans le vide. Sauf que lui, il remonte pas. Il revient pas. Quoi? Tu es allé faire du speedrun, non? Ouais. Non, tant de pièces. Moi, ça m'a un peu saoulé alors. Moi, je me suis pété les bras. Je me suis pété les bras. C'était comment? C'était bien? C'était bien. Natalio, il m'a dit que tu t'es pété les bras, t'as un coup que tu t'es pété, tu t'es cassé un bras, un coup du genre. Hein? Il m'a dit que tu t'es fait mal au coude, au bout un truc, putain. Non, c'est... Non. C'est à force de faire le saut inversé. Ouais, à force de se branler, ouais. C'est ramasse. Non, je dis pas ramasse, c'est que ça tire, ça fait mal au bras. C'est bien ce que je dis, la branlette, au bout d'un moment, ça fait mal au bras. Bon, allez, toi. Bon, allez, toi, vas-y, t'es chiant, je te parle plus, là, hein. Espèce de méchant, espèce de méchant pas gentil. Ouais, mais bon, si ça serait ça, ça serait pas une main, ça serait deux mains, les autres. Bah chacun son problème, hein, si t'as jamais appris à te branler à une main. Bah ok, c'est ballot, c'est... tu peux pas changer d'image si tu regardes des images, et tu peux pas mettre en pause si tes parents rentrent dans la chambre. Et oui, je connais toutes les techniques, à une main, c'est bien. Là, un petit PVP, level 50... 70. Hein, oui. 70. Ouais, il doit parler de moi. Oui, il doit fantasmer encore. Il prévoit qu'il va passer niveau 70 en fait. Quand je serai level 65 là, je pourrais faire des DS et je pourrais avoir des habits DS. Là, je peux déjà faire des DS, tu vois, mais les habits DS. Ah, j'aimerais bien voir son petit cul. Ah la salope. Ah merci du coup de main Mathieu. C'est de rien. Ça m'a permis de le finir. Ouais j'ai vu ça. C'est bientôt fini. Le gros vent qui se prend quand même à chaque fois. Allô, allô, allô. 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 Mais pourquoi les personnes ne parlent? On a pas vu sa tête. De cul. C'est normal, on vient de le buter en même temps. Ouais, j'ai vu ça. Oui. Oh, j'ai récupéré ces gants légendaires. Genre. Oh, des gants. En fait, c'est des tentacules, en fait, ce que t'as récupéré. Non, gants légendaires. Ah, Nicolas. Ah, il court. C'est des gants légendaires. Il court, le jambon. Là, je suis S, mais je suis même pas MPP. Putain. Je peux pas gagner du XP. Parce que t'es une merde. Pas les steaks. Tu vas faire quoi? Je vais me mettre un doigt dans le cul et danser la Macarena. Ah oui, la nouvelle vidéo de Squeezie. Non, je parlais de me mettre un doigt dans le cul et danser la Macarena, c'est pas pareil. Oh, mais venez, on fait un test, putain. Là, tu as retrouvé toutes les pièces du portail. On passe à Suzet. On passe à Suzet suivant. Là-bas, il y aura certainement d'autres démons, vous n'osez pas y penser, mais nous n'avons pas de foi. Regardez-lui de battre. La garde des livres de part livre un combat acharné dans les jardins du temple. Quel sera le dénouement de cette histoire? Vous le saurez dans le prochain épisode. Il paraît qu'ils sont tombés sur un margot particulièrement agile et rapide. On dirait qu'il est une cape, le mec. Apparemment, c'est un soldat margot d'élite sur les toits, soit sur tes gardes. Putain, j'arrive même pas à parler en lisant normalement. Je suis une grosse merde pour lire les dialogues. Merci beaucoup. Et donc, nous allons refaire Jardin du... Non. Mais non, c'est bon, là, on peut pas se faire une DS. Les amis, vous savez quoi? Non, vous savez pas. Je sais pas, quoi.
Bah je sais pas, je pensais que vous aviez un truc super intéressant à dire. Non. Lol. Non, je déconne. En fait, à vrai dire, le problème, c'est que je crois qu'il faut que j'expère ou pas. Il faut que je passe niveau 42. Putain, il faut qu'on fasse un DS. Mais couille sur ton front, tu te le fourres dans le cul ton DS à la con. Quoi? Je le fais tout seul, m'en fous. Faut que tu quittes le groupe. Tu peux même quitter la conversation, ça nous dérange pas du tout. Le grand retard. Okay, c'est génial. On regarde tout le monde sur l'écran, c'est en HD. De quoi tu parlais? J'écoutais pas en fait, j'étais concentré sur le bruit des pièces que je ramassais. Tiens, je peux vous poser une question? Ouais. J'ai un problème avec mon ad. Ça fait mal la première fois en général. Non. Écoute. Oui, j'écoute. J'ai cru que j'en mal, mon pérido. Bon, bah, alors. C'est ta faute, on sait pas. Attends, comment il s'appelle? Et aujourd'hui, on se retrouve. Ah, voilà, Noyou. Et donc, salut tout le monde, aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau tuto. Coucou, Noyou, les amis. Noyau d'Altera extrême. Et j'aurais besoin d'un peu d'aide en fait. Ah ouais, ça serait possible. Expert, tu veux dire? Ouais. Okay. What? Je l'ai en x2. Elle a amélioré 0 et elle a amélioré x5. Et si quelqu'un se dévoue, ou pas, moi tout de suite. Par hasard. Non, là, je suis prêt au game. Et donc, salut, aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau tuto sur comment faire chier les gens en pleine conversation. En plein donjon. Je croyais que c'était un PO game là. Ah, excusez-moi, je me plante. Bah, on est très diversifié. Hein. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour ce hors série numéro 7. Oh, boss! Oh, boss! Oh, excusez-moi, je crois que j'ai joué. Bon. Ah oui, ça, c'est l'épée Blizzard. Et alors? Ah, l'épée Blizzard! Bon, allez, là, on a bientôt fini. Non, on fait que commencer, là. Ça fait... J'adore Mathieu, il se marre pour tout et rien, c'est juste marrant. Oh, mais je vais t'expliquer. En fait, là, je prends le cul un monstre. Et avec Attends, tu viens de dire quoi là? En fait, là? Tu viens pas de me dire, je viens de prendre le cul d'un monstre. Je prends le cul d'un monstre avec la carte de C'est trop le bordel, j'entends que dalle. Ouais, j'avoue. J'ai pris le cul du W, et puis après, j'arrête du W. Et puis, il y a une personne qui m'a vu faire ça. Et il se met à m'imiter et on tue les monstres comme ça. Voilà. D'accord. Non, parce qu'au début, dès le début, j'ai compris. J'ai compris, j'ai pris par derrière un monstre ou un truc comme ça. J'ai pris par derrière un monstre, oui, quoi. J'ai rien compris. Moi non plus, je te rassure. Mathieu, donc tu disais quoi déjà? Meilleur entre maîtrise du corps et condition expanditionnelle. Expandable. Bah, maîtrise du corps, c'est bien si tu utilises ambition. Et l'autre, je sais pas, je m'en souviens pas d'avoir eu cette notice. Bon, t'as pris quoi, toi? Du sperme. Tu sais, ça fait un moment que je l'ai fait, mon carnet, hein. Mais c'est là le level 65. C'est là le level 60, putain. Oh, mais dis-moi, là, c'est laquelle, putain? Non, je vois pas. Mais elle fait chier celle qui agresse tout le monde sans... Hein, tu sais pas c'est quoi le meilleur entre truc et truc? C'est quoi le plus lourd entre un kilo de plume et un kilo de plomb? C'est pareil. Tous les deux pareils vu qu'ils font tous les deux un kilo. Je suis sûr que Dark il le savait même pas. Je m'en fous complètement. Attends, t'as dit quoi, Mathieu? Bah non, moi j'ai toujours 5 kilos de plume, c'est plus lourd. Mon personnage se tape des petites pauses dans l'air, c'est rigolo. Cool. Il fait, tiens, je vais prendre une pause café là. Oh, t'en cool. T'en es où de l'XP? Vous allez me défoncer, je suis à 64%. Putain. Bon, est-ce que le temps là, je peux faire un DS? Tu peux, espèce de traître. C'est le mec pour le faire culpabiliser. Espèce de traître, tu peux.
Bon, ok. Ah, okay. Donc, alors, je se retrouve exclusivement à terminer le PoE game avec Spaghetti Lee. Salut tout le monde. Et Flamme, et Flamme 95. Salut. Non mais ta gueule, Dark, toi, tu participes plus. Tu es exclu. Renvoyé. Oh, oh, le mec qui est renvoyé alors qu'il a même pas été embauché, quoi. Non mais sérieusement. C'est pire que moi. Parce que toi, t'as été embauché mais pas renvoyé, c'est ça le problème, je crois. What? Mais je suis même pas avec mon stuff du TJ. Pourquoi je peux pas rentrer dans ce putain de donjon? Parce que t'es nul, lâche. Je peux y rentrer? Là, y'a personne qui veut le faire. En enfer, je peux pas le faire en enfer. Pourquoi je peux pas le faire? Bah, au level 60, tu peux le faire qu'en normal, hein. Ouais, je sais bien. Oh, putain. Oh, je pense que je vais le faire tout seul parce qu'il y a vraiment personne qui veut le faire. Bonne chance. Merci. Non, putain, mais y a vraiment... il est en train de faire lequel? Tu fais lequel? Tu fais lequel, Dark? Je veux faire le premier, en fait, le premier. Je ouais, laboratoire faire... souterrain, bah là, c'est bonne chance, là. Ah ouais, ouais. C'est peut-être un des plus chiants. Non, pas un des plus chiants. C'est l'un des plus chiants. Le plus simple, c'est le temple des épreuves. Grave. Alors, je fais celui de Vesma, c'est bon, alors? Ouais, ça va. Et des... Ah, il y en a deux, c'est bon, pour celui de Vesma. C'est toi, Flamme? Je vais mourir! Je vais mourir! Oh putain, le bolos! Non, résurrectionnez-moi pas. T'es mort comment? Mais non, mais je voulais pas être résurrectionné, je voulais ressortir au village. Je suis mort empoisonné. On dirait animé, mais je suis mort par une mouche qui m'a piqué, elle m'a refilé le ténia. C'est une mort héroïque. Elle restera dans les annales, en tout cas pour la mouche. Non, pas encore un mec qui lag. J'ai pas de chance. C'était pour être sûr qu'il était mort. Bon, alors... Je lag, je lag. À moins que vous vouliez qu'on fasse un donjon. C'est comme tu veux. Moi je m'en fous. Je suis qu'à 68-4. Bah, après un donjon, 38. Mais c'est chiant les donjons de part, ils durent 5 minutes même pas. Bah, sinon c'est de l'hôtel alors. Celle de l'hôtel elle dure plus long. C'est trop bien l'anniversaire de. L'anniversaire de Ford. J'étais level 56. Je suis passé level 60. J'étais voilà. Level 25, je suis passé level 37. J'étais niveau. J'étais niveau 52. Ah. Ouais, c'est non, Mathieu, 51, je suis resté 51 en fait. J'étais niveau 1, je suis passé niveau 60. Et tu me crois pas? Tu me crois pas? Je suis passé de 1 à 60. Combien de temps? Bah, en une journée. Jordan? Ouais. Grande nouvelle, je vais me remettre sur mon bras monde. C'est-à-dire? Ah, j'ai repris son IS quoi. Oh! Là en fait. Je suis content. C'est cool. T'es content! Ouais. Que, ouais, t'es fait, dégoûté toi? Pas, ça me change de... Quoi? Je dis que ça me change rien. Non, mais ça a rien de changé, t'inquiète. Bim! Blizzard, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis en plein DS! C'est génial! Sympa. Putain, mais c'est trop bien les DS! Alors... Oh, il y a des mobs... Oh merde! Il y a des mobs trop... Wow! Oh, celui-là, il a l'air pas gentil! Quand tu verras un donjon avec des gens super sympas qui te redonnent de la vie, tu m'appelles. Avec des mobs, il faudrait qu'il faudrait qu'il crée un personnage qui heal. Il y en a un qui heal. Non mais toi, par exemple une personne qui heal mais qui a des skills pour healer que ça. Enfin un peu d'attaque mais je veux dire surtout. Il y a Reyna qui fait déjà ça avec son. Ouais voilà. C'est son ça. Avec son champ sacré là. La la la.
Non, c'est pas ça. Ah, j'aurais cru. Elle joue de l'accordéon avec son arc. Joue de l'accordéon. Pas mal. Elle joue de la flûte avec... Non, on va s'arrêter là. Allez Michel, montre-nous tes fesses. C'est bien, qu'on s'en bat les steaks. Mais le monstre se TP partout où je vais. Espèce de méchant, tu as un marteau, tu es forcément méchant. Et toi, t'as des dynamos. Je suis gentil. Tu dis ça parce que je suis... Oui, 2 minutes. Badoum. Allez, putain, je l'ai collecté, qu'est-ce que tu vas faire? Non, putain, ma télé va se mettre en veille. Oh, que c'est dommage, on va le regretter. En fait, là, c'est sur mon PC, alors... Bah, s'il n'y a plus de télé, je vois pas ce que ça change. Ouais. Encore merci pour la notice. Ah, de rien. Quelle arme? Bon. De quelle attaque, pardon? Coup de taille. Ah! Oh, c'est bruit. T'es malade? Ouais. Y'a un peu. C'est déjà ça. Est-ce que t'en as une, toi? Bah, non, parce que j'aime pas ce perso. Si, il a la notice de Armageddon. Ouais, je l'ai, la notice d'Arma. Elle fait quoi? Elle fait Armageddon. 10% de petit... Merci Captain Obvious. La lame d'Armageddon, quand tu utilises la notice, elle fait Armageddon. Elle donne 10% de coup critique à Armageddon. Quoi. Armageddon. Oui, je vais lui faire. Et en plus, elle chante. La 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 la. 10% de coup critique en plus pour Armageddon et 10% et elle change de forme. Maintenant elle a plus une forme d'une épée, elle a une forme de d'une ficelle quoi. Comment ça change de forme? C'est au lieu de la forme d'origine du skill avec la notice, elle a une autre forme. C'est comme moi pour c'est comme pour moi avec tranchant épée fantôme. Moi elle est noire après maintenant. Putain, c'est trop classe. Et elle tape 2 fois plus, mais elle dure 2 fois moins longtemps. Elle dure moins longtemps. Bah, carrément 2 fois moins longtemps. 2 fois moins longtemps. C'est-à-dire que au lieu de durer que 30 secondes, elle dure 15 secondes, mais elle tape beaucoup plus. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Genre plus quoi. Ouais bah plus quoi. Ouais bah ou moins fois moins. On va arrêter. On est à 77%. 77. Et le gagnant est le numéro 77-1, oui, champion. Putain, c'est tout en fait là. Quoi? Dans les champs de part. Ah, Mathieu, depuis tout à l'heure, tu t'entraînes pas avec nous? Bah non. Ah, c'est pour ça que j'XP lentement. Espèce de connard. L'autre, bah moi j'attendais dans le village, moi tranquille, Pepper, que vous revenez. Je comprenais pas, je vais avec. Mais moi je suis déjà dans le champ, hein. Mais quel champ? Un chant de part. Le chant, tu sais, celui qui fait... Ah oui. Et au fait, juste comme ça, ton conservatoire, ça va? Ouais, enfin, je suis allé mercredi. J'ai eu 5 cours d'une demi-heure pour un... Oh le bordel. Genre, le mec, il branle que dalle. Ah ouais, moi, c'est tous les mercredis. Non, non, mais c'est pas si que ça, mais juste pour justifier les horaires, en fait. C'était plus. Donc, j'aurai plus d'horaires prochainement. Moi, je travaille que le mercredi. Ouais, déconne pas, je travaille le mercredi matin et l'après-midi. Ah ouais, quand même. Ah oui, d'accord. Ah, ça y est, il est arrivé. C'est des horaires de fou. Tu m'as reconnu. Ouais, on a reconnu ton attaque. Oh, mal du Phoenix. Ah, c'est Mathieu. Oh, le Phoenix. Putain, le mec, il a brillé dans mon écran. C'est toi. Je peux sortir. Laissez-moi sortir. Et c'est plus rapide. Oh, le DS, je le fais à deux. On est en train de buter. Mais un point tellement fatalonique. Vas-y, le faire, vas-y. Comment fatalonique?
Commence pas à être méchant, Mathieu, hein? Le pauvre, il a rien demandé, pour l'instant. Jureux. Ouais. Ça y est, il a fait son attaque favorite. Non. Ça a été un gros truc énorme. C'est pas moi, j'ai un alibi, j'étais aussi débat. Voilà. Bon, ça sert à rien de se battre, je vais vendre. Mais on se bat quand même. Ouais. Bande de blaireaux. Bah au moins tu XP en même temps avant que tu vas t'aille vendre. Ouais. Bande de sans cœur. Vous avez pas un peu de pitié pour ces magiciens? Moi, pas tu crois que c'est de la pitié avec moi? Moi j'en ai pas du tout, de toute façon j'en ai rien à péter de. Ouais. Salut. Ouais. Tu crois que c'est de la pitié avec moi sur les mobs? Oh je suis mort. J'ai une proposition. Ah, il a une proposition. Une proposition. Je vais vendre des objets qui me servent plus. Ça. Merde, ça. Merde, j'ai vendu un truc qui était bien. Ça. Aucune réaction. Quoi? Bon, quand je vois un truc qui est bien quand même. Lui, il est en mode... Oh! Oh, j'ai mangé un truc qui est bien. Oh, ok. Alors, c'est bien le PO Game? Bah, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je trouve qu'il est très bien et qu'il fera un carton en ligne. Ouais, je pense que ça, c'est la vraie expression qu'il faudrait utiliser. Un carton, ouais. Je vais aller faire d'abord. Un carton de 3 vues. Oh, le carton, les mecs! On va faire un carton. Ah, cool. Cool, je vais me le faire. On va faire un carton. On aurait pu faire un bronze, mais non, on va faire un carton. Jordan? Ouais. Tu suces? T'as tes types et fais toi contre moi. Attends, là, Jordan. Ouais, je m'appelle Jordan. Oh, tu le savais pas, je m'appelais Jordan. Oh, ça. Non! What? Non, la pierre est morte, non! Non! Oh, c'est trop bien en plus, putain! On est déjà allé jusqu'à la 14ème porte! 14ème dimension. Non, la ferme. Il y a un moment, faut dire stop, Max. Mathieu. Je peux pas te dire, Mathieu, je ne peux pas te dire, voilà. Putain, je suis mort, on a fait 9 minutes en plus. Et un gros petit spécial. On a volé. Pourquoi il est tout petit? Ta gueule. Oh, on parle du mob. C'est pas toi qui compte. Putain, j'ai gagné 3 XP, bam. C'est ce qu'on en fait. Bah, on le tue. Bah, ça change rien. Mais le fils de pute. C'est moi qui l'ai tué. La merde. Tu prends ta Nukita? Non, mon dragon pour essayer, ça fait longtemps. Yeah. T'as créé l'espace? Non, vas-y, crée-le. Deux minutes, j'essaye en vite au PVP ce que ça donne. J'espère que tu ne crèveras pas. Hein. Crée l'espace, j'arrive. Quoi? Ah oui, oui. Crée l'espace. Ouais. Ok. Oh putain de merde, j'ai des spasmes! Ah non, c'est pas ça. Ok, excuse-moi. Oui, c'est pareil. On avait bien compris les spasmes. Ça s'appelle PVP. Ça s'appelle PVP. Non. Ok. PVP. Je peux tuer. PVP. Le mot de passe, il est 1, 2, 3, 4. Eh les gens, si vous voulez aller sur l'espace, le mot de passe c'est 1, 2, 3. Ah bah non, trop tard, la vidéo sera déjà terminée. Bon, vas-y, redis au fait. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Non, mais c'est quoi le nom? 1, 2, 3, 4. PVP. PVP Clodo. Bon, bon, toi, tu peux pas parler, hein, parce que avec mon niveau 29, je te bats. On parie? Sérieux? 50 000 euros que je te défonce. Non, mais t'es sérieux? Non, moi, tu les as même pas. On parie? 100 000 euros que je les ai. Le truc, ça se bat en couille.
Je parie que t'as même pas les 100 000 euros. On parie. Ce mec il surenchère comme ça tout le temps. Okay. Ah ouais, toi alors. Tu veux voir ma bite? Swag YouTuber. Alors, mes skills, c'est bon, c'est parfait. Bon, allez, je sais pas. Attends, moi j'ai pas mis mes skills, t'es un malade. J'ai mes skills encore de donjon. Mais fais choisir la carte, s'il te plaît. Prends notre carte préférée. C'est celle où il y a. Allez, montre-moi, c'est celle où elle est toute plate et il y a que dalle à faire. Level 60. Il est pas différent d'un level 70 ou un level 50, hein. Ou même 59, quoi. Montre-moi que t'es bien passé niveau 60. Bah tu vois, c'est écrit là, juste là. Attends. Waouh. Mais c'est génial. On n'était pas obligé de créer l'espace pour voir ça. Bordel de merde. On va dire que c'était un courant d'air. Ça me gratte sous les bras. Je crois que je dois voir un crabe ou un truc comme ça. Depuis ce matin, ça me pince. Et pourtant, quand je touche, je touche que de la merde. Moi, non, c'est pratique, c'est collier là. Comment? J'ai dit c'est pratique, c'est collier. Non, pas là. Toi, Mathieu. Toi, je m'en fous. Elle va ça. Ça va changer la carte. Ah oui, Non, c'est bon. Bah, bon, c'est chiant là pour faire. Ah, il vient d'attaquer en vol du phénix. Non. Qui? Si, si. Tu l'as fait puisque je viens de voir un gros machin rouge passer. C'est peut-être autre chose ce gros machin rouge, tu sais. Mathieu, avec Mathieu, faut être prévisible, quoi. Faut voir grand, si tu vois ce que je veux dire. Quoi? Attention, Pikachu va sortir. Ah, t'as toujours Brizard. Eh, mais il est plutôt pas mal ton petit oiseau. Ah, il brûle. Ah, ah mon dieu. Oh my god, il s'en fait les pauvres. Ça veut rien dire. Bon, attendez, faut que j'aille réparer mes objets parce qu'ils sont cassés. Je vais taper. C'est pour ça que je tapais du 3 depuis tout à l'heure. 3? Non mais faut pas abuser. Putain. Non plus. Même sans stuff, tu tapes plus que du 3. What? Toi, t'imagines sur Elsword, tu tapes du 0 quoi. Non mais sérieusement. Chevalier royal de part. Maximum du 0. Ah ouais, ouais, en fait, t'avais raison. Briquet, c'est pas faire plus du tout. Même pas au Japon, c'est de partout. De quoi? Que briquet, c'est pas fair play. J'ai vu ça dans une vidéo. Le mec il a dit que briquet c'était pas fair play. Putain, non, il m'a eu. Oui, à la base j'étais là pour toi. Désolé, mais briquet ça peut te sauver la vie. Oui, mais c'est pas fair play. Peut-être t'as plus. Bah, hey, tu veux faire un autre truc qui est pas fair play? Bah, tuer, c'est pas fair play. Si tu meurs, bah, il doit se laisser mourir pour que ça fasse tout le temps égalité. Oh, ok, GG. Toi aussi. Putain, je vois rien à cause du déchant. Oui, c'est pour ça que j'ai dit. Le courant d'air, j'insulte le courant d'air là. Breaker, c'est pas fair play, non. Breaker, tu peux. Bah non, faut pas le faire breaker, trop. C'est pas fair play, c'est faire breaker quoi. Vous faut pas le faire trop. Vous avez compris la blague? Surtout quand t'as un perso qui vole les HP. Ouais, oh putain. Moi, c'est pas fait du jeu. Après, ça fait partie du jeu, donc s'il a envie de breaker à chaque fois, il break. Hein. Oh, tu attends 2 minutes, hein. Et pour que ouais. S'il a envie de spammer, bah il spam, hein. Mais ça, les gens, ils arrivent pas à comprendre. Mais elle arrive. C'est pour ça que le JCJ, c'est de la merde. C'est pour ça que le JCJ, j'ai arrêté. Parce que c'est du caca ambulant. Parce que attends, les gens ils rachent trop. Le mec il me frappe. À quoi? Mais déjà cherche un jeu où il n'y a pas de JCJ. Où il y a un JCJ où les gens ne rachent pas. Sérieusement. Aucun. Voilà. Ouais, je suis là. Les fort. Gens ils rachent trop tout ça parce qu'on sait pas jouer, on spam et tout ça. Attends, tu spam parce que t'as envie de spammer. Tu joues à ta façon. Merde, il a bloqué. Ouais. Hein? Non, je suis merde, il a bloqué. Oh merde. Je suis à 95-1. Ouais, bah nous on va se faire le boss. Ah bah chacun son trip, hein. Moi je préfère me faire les mobs. Pardon. Non mais c'était le mob, c'est le coussin, c'est le fauteuil. C'est ma chambre qui fait ça à chaque fois. Oh putain, GG. Merci. Attends, y'a quelqu'un qui s'appelle. Non, en fait non, c'est ma mère. 2 minutes. Je vais voir avec quel perso je suis le plus fort, ok? Bah avec aucun, t'es une vraie merde partout. Moi je te dis, toi si tu veux, tu peux être avec lui, mais avec ta ouais, bah, c'est qui
qui dans le premier épisode qu'il a participé, il m'a fait chier, il m'a insulté et tout, il m'a rabaissé, il m'a fait pleurer, il m'a... Ah, tellement de douleur. Non, au pire, toi, la ferme. Toi, fais ton JCJ à la con, là, hein. De toute façon, le JCJ, c'est pour les abrutis, comme ça arrive. Non, non, mais en fait, moi, j'aime bien... Pas la peine de marcher comme un bourrin courant d'air de merde. En fait, moi, pour ceux qui ont du skill, c'est tout. Oh, j'ai un haut level 60, je vais le mettre. C'est cool, ta vie. T'as un quoi? Oh, des gants level 60. Ok. Oui, quoi, Julien? Attends, j'arrive. C'est moi qui l'ai tué. Bien. C'est ça. Alors. C'est ça le fair play. C'est ça le patriotisme. J'allais dire ça, j'allais dire avant de ah là là. Eh, fallait être plus rapide, mon petit coco. C'est ça le patriotisme. Attends, deux minutes. Bien sûr, je prendrai des activités. Je crois que c'est l'épisode le plus bordélique que j'ai jamais tourné, je crois. Depuis les quatre, depuis les quatre premiers. Ouais, c'est parce que moi, c'est pas au moins fou. Deux épisodes que je suis là. Non, mais c'est vrai que quand t'es là, les PoE games prennent pas du tout leur sens. D'accord. Plus tu y participes et plus c'est à chier, je crois. Moi, je vais aussi. J'ai plus d'amis. Tué. Ouais, une attaque qui a presque pas réussi. Mathieu, je t'ai déjà dit qu'il fallait apprendre à utiliser en vol du phénix et pas le faire à tout bout de chance, si tu vois ce que je veux dire. C'est puissant, mais ça se fait que c'est pourtant. Je suis à 99%. Alléluia. Non, moi c'est Linkoka, tu peux le dire. C'est pas Lugia forcément. Je sais. Alors allez Linkoka. Parce que y a beaucoup de gens qui confondent, mais moi c'est Linkoka pas Lugia. J'ai peur de dire Alléluia, c'est. Non, je vais pas connard. Ouais, j'ai up. Bon bah on va allez, faire on... le donjon tout de suite. Dark, t'es libre? Non. Non, attends, on va faire un PVP. Non, bah. Espèce de lâcheur. Si tu veux, tu peux bien m'aider pour mon ad. Non, là on est en train de tourner un PoE game. PoE, là. Bon, alors on continue tout de suite. Faut pénétrer le jardin du temple. Dans le jardin du temple. Faut rentrer dedans. On a l'habitude. Ouais. Bon, moi on le fait à 3. Hein. Ouais. On le fait à 3. Ouais, à 3. 1, 2, 3. J'avais trop envie de la faire cette quelle blague de merde. Quelle nulle. Allez, on y va à 4. Eh hey mec, on est que 3. Merde. C'est qui mange son putain d'enculé de merde? Non, je veux pas. Non, c'est de votre faute. À cause de. Oh putain, non, c'est passé. Kimi. Allô, Kimi. Allô. Oh là 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 là, comment ça a ramé. Je vais que tomber et pour ça, je me suis fait. Échec. Échec. Je rappelle rien du tout. Un chèque, s'il te plaît, j'ai dit. Échec. T'as pas compris? Non, franchement, sérieux, faut tout expliquer dans la vie, toi. Échec. Si tu pouvais régler, si tu pouvais mettre au nom de Linkoka. Allez, Jordan, go. Choisis la carte. Choisis la carte. Oh merde, désolé. Oh, tu sais, une fois j'ai bloqué un mec. Et alors? Attends, je me rappelle plus trop de ses combos. Ah oui, c'est bon, tu me rappelles. J'ai fait slash quelque chose, là je me souviens plus. Attends, slash il y a kebab. Écrit, si vous voulez bloquer quelqu'un. Oh non, il y a plus écrit, putain. Et bah tu fais plus en vol de phénix. Slash. Là je bloque. Est-ce que aurais-tu le seum?
il y a pas le mot, tu as culpabilisé, tu vas faire comme moi la dernière fois. Ouais. Quand j'ai utilisé mon truc sans le faire exprès. Alors qu'il fallait oh, pas. C'est... Oh, je vois tous tes PM. Tout à l'heure, j'avais pas capté en fait. Ça a rien de pas de quoi. Non. Je vois tous tes PM. Grâce à l'event. Cool. Merde. Sinon, ça va. Merci, Event. Tu m'en mets un coup de poing. Oh bah non, dégage. Je vois tous tes PM. Là tu as assez de temps pour faire un saut. J'en ai pas. Ah ouais, c'est ça. Je l'avais dit en plus, j'ai dit t'as assez de PM pour faire un saut. Et t'as fait un saut. Non, merde. Non, merde, non. Non, ouais. Merci Mathieu. De rien là. Connard. Oh putain. Oh non, je voulais faire comme dans les gens qui savent jouer quoi. Donc tu viens d'avouer au grand public que tu ne sais pas jouer, voilà. Oh toute la vie. Le feu. Au feu. Donnez-moi de l'eau, putain. Tu vas faire un choc pour les autres. Tu vas dans la cuisine, tu prends un verre d'eau. Hein. Non, mais tu vois pas que là je suis dans un terrain de fleurs. Et bah, c'est où ton cul. Où tu vois de l'eau? Dans ton cul? Oh, mais c'est bon, je suis mort. Il m'a mis feu x1, tout à l'heure il m'a mis feu x2, t'as vu. Oh putain. J'ai fait esprit, mais je savais que j'avais plus de PM, pourtant je l'ai fait. Moi j'ai pas reculé un peu. Reculer suffisamment. Bon, alors on va terminer ce donjon alors avec la quête totalement géniale. Oui. Fantastique. Grâce à toi, notre garde a pu progresser et sécuriser l'accès au sanctuaire. À toi de jouer. Le chemin vers les étages supérieurs du temple est enfin libre. Cependant, nous devons trouver la brigade pour accéder à l'étage supérieur. Pourrais-tu éliminer les... Sur ce, j'ai dit sur ce. Cet épisode est terminé, le numéro 25. Je vous dis à bientôt, à la prochaine dans le 26, logique. Non, merde. Sur ce, à la prochaine, et puis salut tout le monde. C'est Linkoka. Salut. Mathieu dit... Putain, vous êtes chiant. Allez, vous allez dire salut dans l'ordre. Flamme. Salut. Ma putain, l'enculé. Spy. Salut tout le monde. Dark. Salut. Et abonnez-vous à ma Et Kubi aussi. Salut. Voilà, comme ça c'est fait. Et je masquerai ton son, Dark. Salut. Salut.